Je m'appelle Camille, j'ai 22 ans, je suis en diplôme supérieur d'art appliqué en architecture intérieure. Mon projet s'appelle Un toit pour la rue et il consiste en la délocalisation du Centre national des arts de la rue Noisy-le-Sec dans une ancienne halle industrielle. Je suis tombée sur ce projet qui est en cours d'étude en fait, de Centre national pour les arts de la rue. Bah, ça m'a interpellée et puis je me suis penchée sur ce projet et voilà, j'ai découvert que c'est quelque chose qui pouvait m'intéresser pendant un an, il y avait de quoi faire. Et... Ouais, c'est un art qui est un peu, on peut dire précaire dans le sens où qui évolue pas toujours dans le cadre des institutions et du coup qui a pas une place encore très très affirmée sur la scène artistique. Donc il y avait cet enjeu-là, ouais. C'est assez sympa au quotidien. On est content d'aller à l'école, de bosser ensemble. On reste souvent plus tard le soir après les cours parce que c'est sympa de bosser et d'avoir des camarades à côté qui font la même chose que nous et on s'entraide. Cette année, on travaille autour de notre projet toujours, mais de façon, je sais pas le dire autrement que plastique, par exemple, quelle approche de la lumière donc on voudrait dans notre projet, et du coup, retranscrire ça par le croquis, un travail noir et blanc ou à l'encre, sortir un peu de la maquette et du carton et travailler plus avec des outils plus artistiques, on va dire. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est l'exposition des Designers Day. Au début du mois de juin cette année. Et donc ça en fait c'est une exposition qu'on organise dans le parcours des Designers Day et pendant laquelle on va présenter nos projets de diplôme. Donc ça nous permet de nous montrer un peu comme jeunes professionnels et de se détacher un peu de l'école. En fait c'est toute une organisation puisqu'il a fallu trouver ce lieu, il faut penser au vernissage, à la scénographie de l'exposition. Donc en fait on est répartis en plusieurs groupes et on travaille tous sur plusieurs points d'exposition. Donc j'aimerais bien travailler pendant 6 mois, soit faire un stage en agence à côté, un petit boulot, soit travailler en CDD en agence d'architecture, et au bout de ces 6 mois, faire un voyage le reste de l'année.